Bonjour à tous, donc merci déjà de me donner l'opportunité de partager mon expérience de recherche et de pouvoir discuter avec vous. Donc j'ai intitulé cette présentation « Dynamique de la diversité fonctionnelle des invertébrés du sol ». Donc justement, moi je me définis plutôt comme un pédo-écologue, donc j'ai cette dimension sol et puis cette dimension écologie. Et je vais vous en parler par la suite, donc le modèle que j'utilise ce sont les invertébrés du sol. Et je regarde principalement l'effet des impacts environnementaux qui soient naturels ou anthropiques sur ces animaux et comment ces animaux aussi peuvent contribuer au fonctionnement des sols. Donc mon parcours est le suivant, je suis ingénieur agronome et j'ai réalisé une thèse au sein d'un laboratoire qui était associé à l'école l'ENSAIA à Nancy qui forme ces ingénieurs agronomes et donc j'ai travaillé dès ma thèse donc, sur ces organismes-là et l'objectif était d'évaluer le lien qu'il pouvait y avoir entre les pratiques de réhabilitation des sols pollués et notamment la construction de sols, donc j'y reviens pas, mais si vous voulez par la suite on pourra en discuter, sur la biodiversité des sols au travers des invertébrés et comment ces invertébrés aussi pouvaient contribuer à l'amélioration de la qualité de ces anthropo-sols. Donc c'est des sols très 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 anthropisés, on va dire. Et puis du coup, donc ça j'ai un peu abandonné ces thématiques de recherche. Et ce qui a été très formateur pour mes projets de recherche par la suite, c'est le postdoc que j'ai fait par la suite, qui était un postdoc financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et qui avait pour objectif un peu de structurer les données des invertébrés du sol, et notamment, je vais vous en parler par la suite, sur les traits fonctionnels. Et c'est un petit peu, voilà, j'ai gardé cette spécificité-là, et tout ce que je fais, justement, c'est s'il y a des mots-clés associés à mon nom, c'est plutôt... Les traits fonctionnels des invertébrés des sols. Donc je vais vous définir par la suite comment j'utilise ces traits fonctionnels. Et voilà, et depuis, pour finir ce bref parcours, depuis 2014, je suis, comme l'a dit David, je suis maître de conf à l'ENSAT et rattaché au laboratoire Ecolab, donc un laboratoire d'écologie fonctionnelle et dans le monde. Donc dans ma discipline, comme je dis, pédo-écologue, on est plusieurs en France et dans le monde à avoir cette même thématique, et donc notre objectif global en fait c'est de prédire les flux de matière et d'énergie au sein des sols et au travers d'acteurs. Donc moi je me situe vraiment à un niveau d'organisation qui est compris entre l'écosystème, c'est-à-dire en gros au niveau spatial ça représente un profil de sol, et la sphère des micro-organismes qui va être une échelle du micromètre, du millimètre. Donc moi je me situe à l'interface de ces deux sphères, et donc l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'écrire, comprendre, prédire l'effet de ces invertébrés du sol, parce que la faune du sol, c'est principalement des invertébrés, sur les flux de matière et d'énergie dans les sols. Alors, je reviendrai là-dessus, mais du coup, aujourd'hui, on est beaucoup capable de décrire et de comprendre ce qui se passe, mais on n'est pas capable de prédire, et donc j'attire votre attention là-dessus, puisque... Par la suite, un de mes thèmes de recherche est vraiment parti de ce postulat-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de prédire ce qui se passe du lien finalement entre les invertébrés et les facteurs environnementaux environnants. Donc juste pour vous donner une idée du modèle que j'utilise, ce sont donc les invertébrés du sol. Les invertébrés du sol, en fait, j'ai lu une publi très intéressante qui disait « L'humain décrit toujours ce qu'il voit premièrement ». Et c'est vrai qu'on a beaucoup investi en écologie dans la description des mammifères, la description des insectes volants, la description des insectes qu'on voyait, la description des plantes. Mais justement, ce qu'on ne voit pas, on a tendance, nous humains, on a des faiblesses aussi à ne pas le décrire. Et donc la diversité des sols, c'est resté quand même le parent pauvre de l'écologie. Donc, dans cette diversité, il y a beaucoup de choses. Et moi, je m'intéresse particulièrement donc, aux invertébrés du sol. Et un chiffre pour vous illustrer l'importance de cette diversité, c'est que sur les 1,5 million d'espèces qui sont actuellement décrites, alors bien entendu, ne sont pas décrites dans ces espèces tout ce qui a trait à la microbiologie, mais néanmoins, sur ces 1,5 million d'espèces, on en aurait un quart qui serait représenté, à peu près donc 360 000 espèces, qui seraient présentes dans le sol. Et donc avec la canopée des forêts tropicales et les fonds marins abyssaux, le sol représente... avec ces deux frontières-là, la troisième frontière biotique dans le monde. Donc une interface vraiment très importante. Et donc, le premier postulat, c'est de se dire, si on veut comprendre les flux d'énergie et de matière effectués par ces animaux, on ne peut pas les dissocier de leur biodiversité. Et donc, on a besoin de lois simplificatrices, puisque actuellement, on comprend et on décrit un petit peu ces processus-là.
mais on n'est pas capable de les prédire, et surtout, on ne peut pas envisager d'étudier chacune de ces espèces et chaque lien de ces espèces avec les propriétés du sol. C'est impensable. Donc on a besoin de lois simplificatrices. Et en fait, a émergé en écologie évolution ces dernières années un cadre théorique partagé par tout le monde, justement, qui passe au-delà de l'approche taxonomique historique qu'on a utilisée, qui se basait sur la notion d'espèce. C'est la notion de trait fonctionnel. Donc moi, toute ma recherche, je la développe en utilisant cet outil, mais qui est aussi un concept. C'est ça qui est intéressant, c'est un outil-concept. C'est en fait se dire caractériser les animaux par des propriétés qui vont nous permettre de mieux comprendre son fonctionnement biologique et puis son rôle dans le fonctionnement des sols. Donc les traits, ça peut être des caractéristiques morphologiques, physiologiques, phénologiques ou comportementales. Après, il y a d'autres caractéristiques qui sont dans la littérature appelées traits, mais qui sont en fait plus compliquées que ça. Donc on les inclut globalement dans ces données-là qui peuvent nous rendre compte et nous expliquer mieux les relations entre ces animaux et leur performance. Donc vous avez par exemple la teneur en carbone des turricules, qui est la crotte des vers de terre et qui donc fait partie du phénotype étendu. Vous avez des exemples comme ça sur plein d'autres animaux. Et les préférences écologiques aussi qui peuvent nous aider à comprendre d'un point de vue fonctionnel le rôle de ces animaux. Donc moi je suis quelqu'un de très pragmatique et je pense que notre génération elle arrive dans un moment où finalement il y a déjà la science est pas née avec moi, hein, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été décrites et donc je pense qu'aujourd'hui on est capable de décrire et de comprendre beaucoup de choses. Par contre on n'est pas capable de prédire et donc moi je suis pragmatique et je me suis dit je vais essayer de compléter ces connaissances-là. Donc j'ai deux grands thèmes de travail. Le premier thème, c'est dans l'optique de l'écologie des communautés. En fait, dans la littérature, on étudie beaucoup l'effet de facteurs environnementaux sur la communauté de faune du sol. Mais il y a quand même une facette qui a complètement été oubliée, ce sont l'héritage des filtres historiques. Donc moi, j'ai essayé, et mon projet de recherche se tourne vers ça, c'est essayer de caractériser, en fait, d'augmenter les échelles temporelles, mais à la fois aussi spatiales, des filtres qui peuvent agir sur ces communautés-là. Et donc, notamment, moi, à mon niveau, j'aimerais contribuer à améliorer la connaissance sur ces filtres historiques. Je vais vous illustrer ça par la suite. Le deuxième grand thème, c'est de se dire on n'est pas capable de prédire ni de quantifier l'effet de cette diversité d'animaux sur les processus du sol. Et en fait, pourquoi ? Parce que historiquement, en fait, on est des chercheurs très disciplinaires, et que actuellement, par exemple, pour vous donner un exemple, moi j'étudie l'effet de cloporte sur la décomposition de la matière organique, mais jamais je me suis dit je vais le relier avec les gens qui travaillent sur la prédation, les gens qui travaillent sur la qualité des litières. Et au final, il y a un chercheur, donc ça je vous invite à lire sa publication là, je pourrais donner la référence par la suite, qui a vraiment reconceptualisé les réseaux d'interaction. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des chercheurs qui, comme moi, observaient l'effet d'un animal sur une ressource. Il y avait des chercheurs qui regardaient les réseaux d'interaction. Et en fait, il a mutualisé ces deux approches. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, essayons de comprendre l'effet des animaux par les traits fonctionnels, mais dans un cadre de réseau d'interaction. Et donc moi, c'est mon deuxième grand thème de recherche. J'aimerais, à terme, on va dire dans plusieurs années, essayer de pouvoir quantifier l'effet de la diversité de la faune du sol dans ce contexte de réseau d'interaction et principalement j'ai choisi le processus de décomposition. Donc là aussi je vais vous l'illustrer par la suite, par un exemple concret. Et le dernier point, c'est pas un thème de recherche mais c'est une activité que j'ai toujours eue, c'est justement pour augmenter cette prédiction et cette généricité, à un moment on doit capitaliser les données. Et donc, par mon postdoc, j'ai eu la chance de travailler sur des bases de données et des outils éco-informatiques qui permettent de stocker ces données. Donc, j'ai toujours une activité qui permet d'entretenir ces outils indispensables en fait, à l'augmentation des échelles spatio-temporelles et à la prédiction future. Voilà. Donc, quelques exemples. Pour l'exemple des filtres historiques, sans trop rentrer dans les détails, un projet auquel je participe qui contribue à ça, c'est d'évaluer l'effet de charbonnière, donc qui sont des pratiques en fait ancestrales qui ont lieu depuis l'ère romain, voire même au Moyen Âge jusqu'à nos de l'ère romain en passant par le Moyen Âge jusqu'à 1900 et quelques, on va dire. Et donc l'idée de ce projet, c'était d'évaluer l'effet de ces filtres historiques qui sont en général souvent occultés par rapport à d'autres questionnements plus actuels, l'effet de l'usage du sol, l'effet de la connectivité de tel ou tel type de surface de sol.
bon, je vais, si vous voulez, on pourra en reparler dans la discussion. Je vais donner un résultat principal qui est intéressant, mais qui ne résume pas en lui-même le projet. Mais on a, alors, idéalement, on aurait voulu montrer, comparer l'effet de charbonnière versus une non-présence de charbonnière. Parce que l'idée, c'est de se dire, est-ce que le filtre historique a un effet ou pas? Malheureusement, les charbonnières sont situées dans des replats. Et en fait, tous les replats de montagne ont été charbonnés, quasiment dans cette zone-là. Donc c'est très compliqué. On n'arrive pas à trouver, si vous voulez, de témoins. Et donc on a redéfini notre question, qui était de dire, est-ce que la charbonnière a un effet par rapport à une zone non charbonnée, en se disant, est-ce que déjà les charbonnières en elles-mêmes, l'hétérogénéité des charbonnières, apporte une hétérogénéité de communauté de faune du sol? Et donc un des résultats intéressants, c'est celui-là, c'est de voir que, donc là je vous passe les détails, mais les groupes de charbonnières, c'est des groupes de charbonnières qui présentent une histoire et des caractéristiques physico-chimiques différentes. Et en fait, on voit une structuration des communautés par rapport à ce facteur-là. Donc ça veut dire que des activités qui ont eu lieu il y a des centaines d'années peuvent avoir encore aujourd'hui un impact sur la structuration des communautés. Et la dimension fonctionnelle est aussi intéressante, puisqu'on voit, dans ce cadre très précis, que globalement, pour faire simple, la richesse taxonomique n'a pas exactement le même comportement que certains indices fonctionnels. Alors là, je n'ai pas le temps de détailler, mais ça veut dire que l'approche fonctionnelle apporte une information supplémentaire. Et donc, on peut, voilà, les deux approches sont complémentaires. On peut définir derrière en quoi cette communauté va être fonctionnellement différente les unes des autres. Ça, je passe. Voilà, et le deuxième exemple que j'aimerais vous montrer sur la deuxième question de recherche, qui est donc de comprendre en quoi les animaux de la faune du sol, dans un cadre de réseau d'interaction, contribuent à la décomposition. C'est ce modèle conceptuel. Alors là, ma recherche n'est pas très avancée sur ce point-là. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est cette nouvelle approche conceptuelle qui est de dire, essayons de replacer chacun de nos animaux, chacun de nos organismes dans un réseau d'interaction, et essayons plutôt que de mesurer l'interaction, essayons de la prédire. Et en fait, il y a une sorte de typologie des traits qui est née là-dessus. En gros, c'est de se dire, pour qu'un animal puisse contribuer à la décomposition d'une litière, par exemple un cloporte qui va manger une feuille, d'une part, il faut qu'il se rencontre. Pour se rencontrer, ça veut dire donc que des critères comme la démographie, la mobilité, vont être des traits qui vont être pertinents à mesurer pour évaluer si on a une rencontre, une occurrence finalement entre les deux acteurs, c'est-à-dire la litière et le cloporte. Ensuite, est-ce que physiquement ou théoriquement, on va dire, cette rencontre peut être fonctionnelle? Donc, c'est-à-dire, est-ce que là, dans cet exemple-là, c'est ce cloporte, est-ce qu'il a une mandibule suffisamment puissante pour dégrader tel ou tel type de litière? Et vous voyez bien qu'à chaque fois, dans toutes les interactions, je suis obligé d'avoir les données à la fois sur ma communauté d'animaux et sur ma communauté de litière. Dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment parler de communauté de litière, mais sur ma diversité de litière. Et le dernier grande famille de traits, c'est les traits de consommation, c'est mesurer. Donc là, on a un aspect plutôt qualitatif sur l'interaction, et là, c'est un aspect plutôt quantitatif, c'est-à-dire, s'il est capable de la manger, quels vont être les traits, les caractéristiques à la fois de la litière et du cloporte qui vont permettre d'approximer cette quantification. Donc par exemple, ça peut être un taux de consommation. Quel va être le taux de consommation de tel cloporte en présence de différents types de litière? Et donc une des premières étapes qu'on a effectuées avec un collègue à Ecolab, c'est parmi cette famille de traits, d'abord il faut essayer de montrer lesquels sont pertinents à mesurer, parce que même si théoriquement on a des idées, il faut encore les valider en laboratoire avant de pouvoir justement établir une typologie des traits topologiques, des traits de consommation et des traits de rencontre, là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, une des études qu'on a, je n'irai pas plus loin, c'est juste descriptif, c'est qu'on a en fait utilisé 3 espèces terrestres et 2 espèces aquatiques, et on leur a fait manger de l'aulne, et on a essayé de voir si la morphologie des mandibules nous informait, apportait une information sur la consommation. Donc ça, c'est un exemple de lien entre un trait fonctionnel et la litière. Donc un trait d'interaction, on appelle ça. Et donc l'idée, ça serait de reproduire ce genre d'expérience pour essayer d'évaluer l'ensemble des traits qui pourraient être pertinents. Des fois, ça ne marchera sans doute pas. Là, on a pris un exemple assez théoriquement qui marchait, mais encore fallait-il le montrer. Donc là, on montre que, voilà, en gros, si on mesure plein de métriques sur la mandibule, on a bien... Donc là, vous avez la longueur du corps, la patte, et là, les métriques sur la mandibule. On voit bien que la mandibule est complètement orthogonale dans cet ACP
aux autres paramètres, et donc, même si elle apporte que 10% de l'information, elle en apporte quand même. Ça veut dire que si on veut vraiment caractériser l'interaction détritivore-litière, il faut un moment qu'on ait ce trait topologique de morphologie de la mandibule. Et donc l'idée, c'est d'intégrer tous ces traits et d'en écarter certains, au contraire, et plutôt que de partir sur des a priori, souvent les traits, que ce soit en écologie des communautés, en écologie fonctionnelle, on part sur des hypothèses qui ne sont pas toujours validées, en fait, de lien entre le trait fonctionnel et la fonction. Et le dernier point, j'irai très vite, donc c'est la valorisation voilà, comme vous l'avez vu, que ce soit dans l'approche écologie des communautés ou écologie fonctionnelle, la base, c'est d'avoir cette information sur l'animal, ses caractéristiques morphologiques, ses traits. Et du coup, pour cela, j'ai eu la chance de participer à un projet donc, en tant que postdoc qui a construit une base de données. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que il y a une énergie à mettre dans le remplissage et le maintien de ces bases de données. Et ça passe par la construction de bases de données, mais aussi par la construction d'outils éco-informatiques comme des thésaurus. Donc c'est des choses qui peuvent vous paraître plus abstrait, mais en tout cas, il faut avoir... on pourra en reparler après, je n'ai pas envie de trop détailler ça, mais ça nécessite vraiment de l'énergie à la fois, et des compétences à la fois informatiques et écologiques. Et c'est vraiment un défi parce que derrière, si on n'améliore pas ces outils-là, on va non seulement perdre en qualité scientifique, parce que ce qu'on va échanger, il va y avoir des... si on a des définitions différentes de traits, on peut aboutir à des choses complètement erronées. Et en termes, après, logistiques, les bases de données aujourd'hui avec l'ère numérique, c'est un des moyens vraiment de travailler collectivement. Donc voilà, je finirai là-dessus. Merci beaucoup. Merci.